Je vais rejoindre les gars, je pense, d'ici 10 minutes. On se fait un petit récap, les gars, des trucs que vous attendez le plus. Qu'est-ce que vous voulez absolument voir cette année à l'E3? C'est quoi votre prio numéro 1? Fear the Wolf 2, bon, ça, les gars, le studio a fermé, hein. C'est en bankrupt. Hein. Et Master de Garfield 4, mais c'est un banger. Hein. Garfield 4, c'est vraiment un banger. Metroid 4, ça, tu peux te le foutre au cul, je te le dis, Madenki, c'est juste un conseil. Overwatch 2, Helios, alors attends, bouge pas. Désolé, je te time out 10 minutes. Oh, j'ai une idée. Faut qu'on se fasse un bingo. On va se faire ça. On va se faire ça, tiens. T'es un cosplay, Julien Chiez. Bah, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas mon fond vert. J'ai même plus mon torchon, les mecs. Alors, eh, bienvenue au resto du jeu vidéo, les gars. Installez-vous, prenez place. Et c'est vrai qu'il me faut une petite calvitie. Julien, je t'aime beaucoup, mais c'est vrai que ça commence à se voir. Mon poteau bavard ! Toi aussi, t'as une calvasse ? Comment ça ? J'ai pas une calvasse. Vous me dites, hein ? C'est une calvitie, ça ? Le big trou, tu as un nid. Mais nique ta mère. Mais c'est pas une calvitie, ça ? Oh, je veux que ce stream, ce soit un espace de bienveillance. Je veux DFC bienveillance dans le chat. Tout ce que vous faites, c'est me chier dans la gorge. Le trou sur le crâne, c'est une alopécie type 3, vertex ou type V. La plupart des hommes à ton âge l'ont aussi. Attends, ça me fait peur, c'est une maladie, ça ? Alopécie, différentes formes d'alopécie, est un terme médical qui correspond à une chute de cheveux. Quoi ? Considérée comme normale. Lorsqu'on perd jusqu'à 100 cheveux par jour, elle devient pathologique au-delà. Donc là, je suis malade. Tu viens de dire devant 3000 personnes que je suis malade. J'ai l'impression que ce que tu me parlais là, c'était une technologie d'NVIDIA. Hein. T'as une alopécie Vertex 3, je pense que tu pourras pas réussir à faire tourner BF3 avec ça, mec. Zulu, Xari, Jiraya, Hugo, Max est le prochain. Mais vous croyez que c'est pourquoi que je suis parti de chez le stream, les mecs? Si je suis parti, c'est uniquement parce qu'il y a un virus dans l'open space. Même les meufs, elles ont plus de cheveux. Emmanuel est parti avec moi, hein. C'est pas pour rien, les mecs. Je crois que ça va pas être mon jeu. Peut-être une autre fois. Wonderland is a shitty game we made in 2 weeks. It was made on a Huawei without applications. I hope you like it. Là, non. D'accord, mais on s'en fout là. On veut un jeu, on s'en fout de ton vaccin. AstraZeneca. J'ai ma mémé qui tousse depuis 2 semaines. Justement, I prepared AstraZeneca Stranding for PlayStation 5. And don't forget the DLC, the seconde prise de sang. Oh, eh ben voilà, on a une star. Monsieur, on vous donnera votre dose d'AstraZeneca après. Je suis prioritaire normalement, à vous le saviez. On a le moment cringe, plus la célébrité, c'est parfait ça. World Premiere. Ah, merci pour le bingo ça, les gars. Un jeu Jurassic Park ? Il y en a des vieux qui étaient horribles et il y a le jeu de gestion qui était sorti il y a pas longtemps. Ah, par contre, si c'est un vrai jeu. Si c'est un vrai, ça peut être cool. Hein. Attends, parce qu'ils peuvent nous baiser avec un jeu de gestion. Hein. Non, je pense pas. Ils auraient pas pu faire la révolution. Putain, les connards. C'est vraiment ça. Ah, c'est le jeu de gestion. Le 2, hein. Le 2, les gars. Bon, vas-y. Hey, tu sais quoi, on arrête là. Vas-y, tu m'as gonflé. Shuhei Yoshida. Thanks, Jeff. Hi everyone, I'm Shuhei Yoshida. Monsieur Patate. Non, c'est bon. Il me fait chialer, ce connard. Mais c'est de la merde, ton jeu, là. Ça pue, la merde. Pas très bon, hein. Oh là. Ouais, attends, en fait, j'allais dire, on dirait un Left 4 Dead, mais en fait, non. Coup, bah ouais, c'est vrai qu'on dirait un Left 4 Dead, en fait. Non, mais par contre, mais plus moche que le 2. Oh la gueule. Oh la, les sensations. Oh, les animations. Oh la vache. Oh, je vous dis, c'est moi qui l'ai fait. Mais comment c'est possible de montrer ça, quoi? Arrêtez de vous moquer, c'est un jeu à moi, c'est un jeu bon kill. Attends, à quel moment tu te dis en réunion, les gars, on va dépenser 50 000 balles pour qu'ils passent notre trailer sur la cour de Geoff? Est-ce que vous avez envie de passer à une souris sans fil mais les prix vous démotivent? Eh bien j'ai la solution, la MSI GM41 Lightweight Wireless. Vous vous souvenez, je vous avais déjà parlé de la souris dans sa version filaire, et MSI a bien travaillé et a réussi à concentrer tout ce petit monde dans une souris sans fil à seulement 80€. A titre comparatif, mon ancienne souris, la Logitech Super Light, coûte presque le double. À l'intérieur, on retrouve un capteur optique Pixart PMW3340 de 20 000 dpi, 6 boutons et un temps de réponse énervé de 1 milliseconde. La souris reste bien sûr toute légère avec ses 74 grammes et ses patins qui n'accrochent pas. Pour vous rassurer, je joue avec une sensibilité ultra basse à 400 dpi et comme vous pouvez le voir, je suis ultra fort. Bon, ça bouge pas. Hein. Elle est livrée avec son stand pour la recharger en 1h30 et aimanter et repartir avec une autonomie de plus de 80 heures. Vous pourrez bien sûr la customiser avec les couleurs de votre choix et en plus de ça, vous aurez le plaisir de
poser vos petites paluches sur les textures agrippantes sur les côtés pour ne manquer aucun shot. Vous l'aurez compris, si vous voulez faire une affaire et apprécier les joies du sans fil, la GM41 Wireless vous attend, avec le lien dans la description. Bonne vidéo. 3, 2, 1, c'est bonne parti année les gars. Oh, y'a Bethesda avec. Quel con. Oui, quoi, oui, oui. Karim. Du coup, on est d'accord, là, c'est le visuellement... Oui, il y a Bethesda dans la conférence, Grim. Non, mais c'est plus de Grim, là. Plein de stalkers. Ah ouais, d'accord. Il parle lui, mais vraiment... Grim. Tu parles en même temps que tout le monde, tu ouvres encore ta gueule, là, ça va vraiment mal se mettre. Par contre, c'est vachement beau. C'est vachement beau, hein. Ouais. C'est vachement beau, hein. Ouais. Ta gueule, toi. Tu parles plus de... Beau cul, monsieur. Très beau cul. Très beau cul, frérot. Oh, je prends la musique. Et en plus, elle est raffinée, la pétasse. Mais il y a des jetpacks, là. Mais il y a une tempête, là. Stylé la fumée, là. Il a dit fumée, genre, il y a des mecs qui fument une chicha à côté, hein. C'est une tempête, hein. Un goût pomme. Attends, c'est bizarre. C'est bizarre de jouer de l'autre côté. Ouais, j'avoue, ça, normalement, c'est gauche à droite, pour y foncer. Mais justement, si ça se trouve, c'est une vision de l'auteur, il y a peut-être un message caché. Et c'est peut-être, une histoire à l'envers. En fait, il remonte bien dans le temps pour avoir TTO, parce qu'il est insupportable. Putain, j'étais mauvais, toi. Pour l'instant, Stalker est plus joli, hein. Ah oui. Après, Stalker, il... Ouais. Ah ouais, Stalk, hein. Bon, les Grim. Ça dégage. Yeah, do the blow. Ah putain. Non. Oh non. Oh, un castex. Oh, la pique sur Among Us. Mais les jeux d'Squeezie, ça va être la folie. C'est quoi? Oh, quelle bande de cons, putain. C'est pour ça que je les aime. Bande de salopes, hein, je vous adore. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? C'est hémorroïde de terrain. Oh. Dans le coup de terrain là. Et allez, du gameplay. En fait, on dirait vraiment Spider-Man, mais sans le dynamisme. Je dirais qu'ils ont essayé de faire un truc à la Beat Them All en mode Devil May Cry, mais ça marche pas. Oh, on se bat contre ça. Ils se battent dans des cubes. Des glaçons, hein. Et ils auraient pu quand même montrer, je sais pas, pas un boss, mais des ennemis avec des armes ou des... Ça respecte l'univers, Grim. Ouais. Mais ça, c'est la méchante. Les gardiens de la galaxie, bonjour les gardiens. On dirait un PNJ dans Skyrim, là. Cette machu dégueulasse, une vieille armure là. Et allez, les whips sont contents, il y a des poulpes là, des grosses tentacules. La langue d'un pervers. Ah, un jeu de cartes. Un jeu de cartes, Fly. Allez vous faire. Un peu horreur, hein. Un peu horreur, Fly. Hein. Pas trop décoiffé derrière votre écran, les gars. Cette conférence de merde, de vos vannes de merde. Allez, encore un, vous en vouliez d'autres, vous avez encore faim. Ah, ça c'est le BR Final Fantasy avec des AK-47. Ah, bah PUBG, mais voilà, c'est super. C'est injouable. Je vous le dis, je persiste et signe. Si après c'est tunnel de merde et que je vois apparaître And Now, Life is Strange, ça dégage. Si, moi j'ai envie de voir Life is Strange. Mais parce qu'il paraît que tu peux te mettre dans le rôle de l'harceleur dans cet opus. ça t'intéresse. Ça fait combien de temps là? 32 minutes. Il reste à peine un quart d'heure. Un quart d'heure de bonheur encore, profitez-en les spectateurs. Allez-y, je veux que ça se déchaîne dans le chat là. Il dit il y a une version longue. Ah, peut-être que Pota va être content du coup. Qu'est-ce que c'est? C'est Life is Strange. C'est Life is Strange. Oh putain. Oh là là. Oh putain le bol. Putain, la différence se voit de fou, hein. Que même quelqu'un vienne me pincer, la pota vient jusque chez moi me pincer les couilles. Là. Ah, True Colors. Ah. Ça avait l'air un peu plus joli quand même. On parle d'autre chose comme ça. Ah ouais, t'as l'air super convaincu là. Mais ta gueule, elle va la fermer, ta gueule. Calme, pota. C'est bientôt fini. Ah bah allez, ça va aller. Je crois que c'est tout après. Je crois que c'est tout. Tu crois que c'est tout? Il faut le sampler, ce ta gueule, hein, en tout cas. Et tu continues. Calme, pota, calme, je t'ai dit. Il en peut plus, le pauvre. Vous voyez dans quel état vous le foutez, mon pota? Ah bah attends. Là. Bah c'est bien, en fait, c'est simple. Tout ce qu'on voulait voir, Forspoken et FF16, on n'a rien vu. Du coup, inutile. Ah ouais, les gars, peut-être une
note, une note sur 10. Sur 10 ? Ouais, sur 10, sur 10. Allez, n'hésitez pas à voter le chat. Hein. Un petit 2, ok. En vrai, un 3 prometteur. Ok, moi je pense que c'était pire que Devolver et c'était pire que... C'est pire que tout ce qu'on a vu en fait. En fait, ouais, c'est ça, en vrai, elle était digeste la conférence, mais en jeu c'était de la merde. Putain, mais le vrai E3 quoi. Ces jeux-là, faut les montrer dans... Enfin, vos gros jeux, vous les montrez sur des conférences de gros éditeurs quoi, parce que là... Je m'en rappelle, Hugo, Xbox, il y a 2-3 ans, là, on te voyait dans le public, là, j'y étais. T'as bien foutu tes crottes de nez sur le siège. Ah, c'était à la con Bethesda, ça. J'ai balancé, je faisais chier les mecs derrière aussi, on leur parlait en franglais avec Zulu, là, ils étaient super énervés, les mecs derrière nous. You could say sub to the stream, please. Bon, bah voilà, les gars. Franchement, soirée à retenir, Battlefield, Forza, Conf Xbox Banger. Si Nintendo fait aussi bien, c'est cool, mais bon, je pense que Nintendo s'en branle. J'ai un peu peur, Nintendo. Et puis Sony, s'ils annoncent un truc dans 2 semaines, là, faut vraiment faire un truc de ouf, quoi, c'est tout. Bon, en tout cas, merci de m'avoir accompagné dans cette douleur jusqu'à la fin, les gars. C'est pas facile, hein, la dernière. Avec plaisir. À l'image de Grey. Salut. Salut.